l'hindou est une religion dansée. Est une religion dansée et donc quand il y a danse, il y a musique. C'est donc aussi une religion chantée. Et le rite est très important pour que l'esprit vienne. Mais il n'y a pas rite sans rythme. Si le rite n'est pas rythmé, comme cela devrait être fait, eh ben, l'esprit peut ne pas venir. Battre tambour, c'est accompagner la prière des lois, accompagner la Bible orale des esprits vaudous. C'est se libérer, c'est s'accepter, parce que lorsque le tambour joue, lorsque battre tambour, notre âme parle. Le vaudou aussi, c'est ça, c'est cette résistance. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les convulsions politiques, et toutes les jacqueries qu'il peut y avoir ici, soulèvement paysan ou citadin, on utilise toujours des trucs du vaudou, notamment il y a le rara. C'est un truc qu'on utilise tout le temps, c'est-à-dire même si la personne il se réclame pas vaudouisant, mais écoute, il a quand même, il prête quand même froid. Bonne partie de la musique et de la musique haïtienne, en fait, est fondamentalement centrée sur le vaudou. Déjà, il y a la musique du vaudou, il y a la musique racine, il y a le rara. Donc, il y a une plus forte partie de la musique haïtienne qui se centre sur le vaudou. Mmh.